L'objectif, c'est de réussir à s'échapper d'une salle dans laquelle on est enfermé. Cette salle a un thème en particulier, et pour réussir à s'échapper, l'objectif, c'est de résoudre les énigmes qui nous sont proposées. Alors en termes d'ambiance, on essaie d'être le plus diversifié possible. On va avoir du Back to the 80s qui va être très familial, qui va convenir à tout le monde. Et à l'opposé, on va être sur du Lost in the Darkness qui va être une salle très clivante. Soit c'est la salle qu'on a absolument envie de jouer parce qu'elle fait peur, soit c'est la salle qu'on veut pas du tout jouer justement parce qu'elle fait peur. Et entre les deux, on va avoir du Immortalis, la quête de Vlad le Vampire. On va être sur une crypte de vampires, donc quelque chose d'assez sombre, mais qui fait pas peur du tout. On est vraiment sur le côté magique, fantastique du vampire. On va aussi avoir l'expérience sur une salle un petit peu plus futuriste qui va jouer de 6 à 15. Donc là, on est vraiment sur le côté team building, jeu en équipe, travail d'équipe qui va être vraiment mis en avant sur cette salle-là. Aujourd'hui, on a 7 licenciés un petit peu partout en France qui utilisent les salles et le nom Brain Escape Game. Alors ici, on est dans le quiz game Buzz Your Brain, qui est donc une salle qui recrée un plateau télé avec 8 pupitres. Et on a créé tout de A à Z, le décor, le logiciel avec un informaticien qui fait partie de l'équipe, les questions, les playlists, tout a été fait vraiment en interne. Contrairement à l'escape game où les gens jouent en équipe, là on va vraiment s'affronter les uns contre les autres, le but du jeu étant évidemment de remporter le quiz game. Donc pour ça, on va répondre à des questions, il va y avoir des vidéos, des blind tests, des musiques, et puis aussi surtout des jokers pour envoyer à ses adversaires, les bloquer, leur voler des points. Enfin voilà, on est vraiment sur un jeu d'ambiance qui est très ludique, où on est tous ensemble en face à face, et puis on se regarde droit dans les yeux au moment où on se vole des points. Sur la partie escape, on travaille sur des concepts un petit peu mixtes, qui restent proches de l'escape game, mais avec des petites surprises, quelque chose d'un peu différent qui devrait arriver normalement dans les mois ou années à venir, mais c'est en développement, c'est en réflexion de notre côté pour toujours essayer d'innover et de rester précurseur sur le bassin rennais en termes de loisirs. Aujourd'hui, donc, on a une licence qui s'appelle Buzz Your Brain et qu'on a proposé à différents lieux de loisirs, que ce soit des escape games, des bowling, des trampoline parks. Et donc, on s'est développé en France et en Belgique. Actuellement, on a 18 licenciés qui sont ouverts, mais il y a plusieurs projets en cours qui vont ouvrir dans l'année ou début d'année 2025.